Je vais encore avoir le même discours. J'ai découvert un truc génial. Et je comprends pas que personne m'en ait parlé avant, c'est fou. Vous connaissez tous Twitch aujourd'hui en 2020. C'est pas possible que vous connaissiez pas. Je fais d'ailleurs live chaque jeudi de retour. La flemme. Sur Twitch, il y a plein de catégories. Certaines de ces catégories, c'est des jeux. D'autres, c'est du just talking. C'est juste des gens qui parlent, qui racontent des trucs avec leur communauté. Et il y a aussi des catégories un peu plus larges qui englobent, par exemple, de la musique, des événements. Et dans toutes ces catégories, il y a la catégorie science et technologie. Soyez excités. Cette catégorie-là fait très très peu de viewers, on va pas se mentir, ça suscite pas tant l'intérêt, alors que c'est génial! Dans cette catégorie-là, vous pouvez retrouver des gens qui font des trucs un peu de gros gros geeks. Il y a des gens qui codent des jeux, il y a des gens qui codent des logiciels, il y a des gens qui montent des PC, et il y a des poulaillers! Il y a des poulaillers, ok? Il y a des fermiers et des gens qui ont des grands jardins et des animaux qui se sont amusés à mettre des caméras là où il y a leurs animaux. Ça peut être des poules, des chèvres, des moutons, des n'importe quoi, des canards. Et tu peux voir leurs animaux 24 heures sur 24. D'accord? Soyez excités, vous allez regretter! Je trouve ça génial. Pour la simple et bonne raison que déjà tu peux voir la vie des animaux. C'est hyper intéressant, moi j'adore les animaux, vous le savez. Et surtout tu peux interagir avec eux. Il y a certains lives où tu peux, en faisant une donation, leur donner instantanément à manger. C'est genre un truc automatisé, c'est pas un gars qui vient. Alors bien évidemment c'est régulé, tu peux pas leur donner à manger à l'infini parce que sinon ils seraient en mauvaise santé. Là c'est bien régulé et c'est hilarant. Je vous jure, j'ai eu des fous rires. On va faire un tour de ça ensemble et vous n'allez plus jamais me prendre de haut. D'accord? Plus jamais. Là on est sur un live, on peut non pas donner à manger aux animaux, on peut activer cette petite fontaine. Grenouille. Attention, pépé on. Ça fait toujours quelque chose la première fois. C'est sympa. Dites-moi que c'est sympa. La dernière fois, j'ai vu des écureuils et des oiseaux passer. Mais là, y a rien. Là, y a bien rien. Y a même pas une araignée d'eau. Oh. Oh. C'est un colibri des hautes montagnes, je le reconnais. Il est parti. C'est l'ascenseur émotionnel, ces lives. Écoutez, je vis à travers ces lives ce que ressent un peu un... Vous savez, ceux qui font des reportages animaliers, tu sais, qui sont à la recherche du loup blanc hyper rare de Sibérie, et enfin ils tombent dessus. Bah moi je vis ça dans une moindre mesure, ça peut être un moineau, je suis content. En fait, je peux me dire, j'ai été là au moment où il y avait l'oiseau au ventre rouge sur le live. Voilà, hashtag j'étais là. Oh, ici par exemple, c'est des écureuils. Mais attends, c'est rempli de bouffe et y'a personne. Attends, les écureuils, ils font totalement la grève, là. Si je donne 20, il se passe un truc. Peut-être c'est la machine qu'il y a là, où ça va faire tomber des graines. Oh, y'a un écureuil. Oui. Oh non, je lui ai fait peur, ça fait tomber... Non. J'ai donné au mauvais moment. Putain, y'avait un écureuil qui se ramenait, il était incroyable. Oh non, la machine, elle lui a fait peur, il est parti. Oh non, y'avait 7 autres personnes. Il y avait enfin un écureuil, je lui ai fait peur, je suis dégoûté. Bon, donc là on est en pleine nature, il y a un endroit immense. Et regardez, il y a un canard, voilà, c'est lui qui va nous intéresser. Ah, ils réclament, ils viennent réclamer, c'est incroyable, attendez, je vais leur donner. Ouah, c'est instantané, c'est choquant. Ok, il se régale. Les gars, on vit une époque formidable. Attends, il y a un truc, je me demande si c'est proportionnel le nombre de graines qui tombent au nombre de bits que tu donnes. Enfin, à la quantité d'argent que tu donnes. Si je mets genre 400 bits, est-ce qu'il y a plus de nourriture qui tombe? Attends, je veux voir. Oui, oui, oui. Oh là là, ils vont tellement manger. L'odeur, il se ramène, il a vu. Il a vu, il se passait quelque chose, il vient. Oh, ils se fight! Si je donne genre un truc indécent. Eh, moi je suis prêt à tout pour nourrir des animaux, j'adore ça. Quand j'étais petit, j'allais dans des élevages et je donnais à manger aux chèvres et tout, j'adorais ça. Si je donne 4000 bits. Oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Ouah, ça n'arrête plus! J'ai vidé le réservoir! Il y a tous les canards de là-bas! J'ai créé un embouteillage de canards! Ça ne s'arrête pas! C'est le putain de jackpot! Les gars, ça fait une minute que ça tombe! Ils vont tous faire une indigestion! Oh, c'est bon! Oh! Oh, waouh! C'est fabuleux! J'ai adoré ce moment! Oh, c'était dingue! Wow, lol! So much food! Food party! Haha! Oh, c'est tellement drôle cette scène de voir des canards se ruer! Oh, il est trop malin lui! Oh! Casse-toi de là, tricheur! Je rigole pas, hein! Ouais, va-t'en, ouais. Eh, j'allais faire un geyser de graines, il allait être éjecté, l'oiseau. Attendez, retournons sur la grenouille, est-ce qu'il y a un animal? Non. Les écureuils, est-ce qu'il y a un écureuil? Non, c'est décevant. Ici, c'est une caméra qui filme des lapins. Oh, ils sont mignons. Attends, mais j'espère qu'ils vont pas être mangés. Oh non, c'est horrible si c'est ça.
Je n'aurai jamais la réponse. Ah non, c'est bon, il leur a donné des noms et tout, non. Il serait trop sadique, mon gars, de leur donner des noms alors qu'il va les manger à l'arrivée. Non, impossible. Je ne peux pas croire ça. Wow! On est sur des moutons! Ouais, mais ils sont ramollis. Je pense qu'il y a un gars qui est passé et qui a dû faire un énorme don. Moi, je m'y connais. Ces moutons-là, ils sont rassasiés, là, déjà. Attendez, j'ai le bras long dans le milieu, il y a une autre chaîne de moutons. Ok, on va faire un test. Donc là, ça tombe là-dedans. Attends, eux, ils vont être surpris. Je pense qu'ils vont se ruer vers la bouffe. Attendez. Oh! Oh, voilà des moutons qui sont dans le besoin. C'est pas les pourris gâtés là du truc d'avant. Ok les gars, il y en aura pour tout le monde les gars. Inutile de mettre ton nez dans ce tuyau. Il y en aura pour tout le monde les gars. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Oh non. Quoi, il s'est rien passé? Oh non! Quand tu donnes plus de 50 bits, en fait c'est des carottes qu'ils ont. Et il y a un message en rouge qui dit: ne leur donnez pas de carottes, il y en a plus. C'est pas grave, on va faire plein de donations de 50. Mangez! Mangez les moutons! Personne ne se mettra entre vous et cette nourriture! Attends, mais après je culpabilise un peu, ils se mettent des coups de tête quand même. Regardez lui, ils se mettent des gros coups de tête, en vrai je m'en veux un peu. Et il y en a toujours un qui est perdant, regardez le règne animal. Il n'y a pas de partage. C'est pas comme quand tu commandes des tapas avec tes amis, non. Là ils doivent se débrouiller. Putain, ils se poussent. Putain, il lui a mis un coup de tête dans l'abdos. Vous avez vu? Non mais eux c'est un peu triste, c'est mal fait, genre ils s'excitent et... J'arrête! Les conditions ne sont pas favorables à une entente générale. Toujours rien du côté de la grenouille. Et aucun écureuil en vue, hein. Le seul... Oh! Que dis-je? Là! Attendez, je vais refaire un don. Mais dis pas qu'il va avoir peur. Il s'en bat les steaks. Mais il s'en fout en fait de ce que je donne. Lui, il veut manger du maïs. Je sais pas ce que ça balance là le truc, mais il a pas du tout l'air motivé par ça. Il est posé avec son maïs, putain. Limite, je le dérange. Eh, par contre là, je découvre une facette des animaux. Vous allez arrêter de nous prendre de haut, hein. Eh, nous on est à des milliers de kilomètres, on lâche des bits pour vous nourrir et vous ignorez. Mais vous prenez pour qui? Alors ici, c'est une caméra dans un bassin et tu peux taper des commandes pour qu'elle bouge. Et le but c'est de trouver des petits animaux sous l'eau, quoi. Pardonnez-moi, mais il aurait dû faire ça dans une eau un poil plus claire. Dans une eau, on voit peut-être éventuellement à plus de 50 cm. Enfin, je veux pas paraître ingrat, hein. Allez. Ah, là, c'est un gars qui avait une caméra dans sa maison à oiseaux. Oh, c'est trop bien, il les voit grandir et tout, c'est trop bien. Putain, j'ai envie de faire ça, là. Là, je suis dingue d'être en appartement. Ma chaîne Twitch, toutes les soirées, gaming et tout, fini. Je vais vous mettre un live en continu, vous pourrez voir des poules et des moutons et c'est réglé. C'est bien plus cool. Oh, il y a des oies! Pardon, excusez-moi, je vais à un live, je vais sur l'autre et tout. Il y a des oies maintenant, à la place des canards. Jamais je vous nourris. Vous êtes des pestes. C'est méchant, une oie. Vous êtes déjà battu avec une oie? Bah, je vous conseille pas. Non, je suis pas du tout en train de parler d'un traumatisme que j'ai vécu étant enfant. Pas du tout. C'est des salopes! Ouais, mais attends, mais quoi? Il y a un écureuil, il y a un corbeau, il y a de tout. Regardez comme ils cohabitent. Mais je suis ému. Il y a une petite embrouille quand même. On vient d'assister à une petite embrouille, mais on va fermer les yeux. Mais j'ai envie de faire un mur d'écran chez moi où c'est que des lives comme ça en direct. Plein d'écrans avec tous ces lives là dedans. Ça me rend fou. Là, le fait de savoir que c'est en temps réel, ça change tout. C'est bizarre, hein. Ah, je viens de penser un truc. La nuit, tu dois avoir genre des raccoons. Bah oui, c'est dans le titre en plus. Des raccoons, des possums, des renards. Il est quelle heure la midi là-bas? Ah ouais, il est 6h de moins. En fait, faut checker le matin celle-là. Oh, je suis trop curieux, j'ai envie de voir. Clément, toi qui fais le montage en décalé, filme ce live le matin à 10h heure française. Et on verra du coup des animaux de la nuit. Un extrait maintenant de cette même vue la nuit. C'est parti. Attendez, du coup, j'ai envie de voir les top clips, enfin les meilleurs moments qui sont arrivés sur le live des moutons et des canards. Parce que c'est du live, donc c'est drôle, mais voir ce qui peut se passer, je pense que c'est assez rigolo aussi. Attendez, genre sur live des canards, il y a une vache qui est venue. C'est drôle. Oh non, j'aurais tellement aimé. Oh, c'est trop bien. Waouh. Ah, parce que tu peux nourrir les poissons aussi, je crois. Et du coup, lui, il vient choper les poissons, incroyable. Wow. Ok, voyons voir la clip des moutons. Ah ouais, là, ils avaient grave de la laine. Regardez en bas à droite. Il y a des vrais embrouilles, les gars. Nous, ce qu'on a, on a rien vu, en fait. Regardez en bas à droite.
Comment ils se mettent sur la gueule alors qu'ils sont frères et sœurs. Putain, respectez-vous là, vous êtes une fratrie de 8 frères et sœurs. Eh bien écoutez les amis, ce fut bref mais intense. Qu'est-ce que j'ai ri. Oh, les canards, ils m'ont tué. Et les moutons, quel monde de pourri gâté ou de rageux. Y a pas d'entre deux. Je voulais trop vous montrer ce truc d'animaux en live. En fait, je pense que le live va y avoir de plus en plus de trucs comme ça auxquels on n'avait pas forcément pensé. Genre, j'avais pas du tout pensé, moi, à ça. En fait, même si j'y avais pensé, je me serais dit que comme les fermes et tout, c'est dans des zones reculées, bah, y a pas la connexion qu'il faut pour pouvoir live. Et en fait, si. Déjà, y a la connexion. Et en plus, y a des gars qui ont mis un effort de ouf dans l'installation de plein de caméras. Je trouve ça vraiment marrant et c'est détente, quoi. Pendant que tu bosses, tu te mets un petit live comme ça d'animaux sur ton deuxième écran, t'es trop bien. Imaginez un jour, il y a un gars, il le fait avec un humain. Qu'est-ce que je viens de dire? Merci de regarder la vidéo, j'espère que ça vous a fait marrer. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Au pire, vous aurez découvert un truc. Hop là, la petite anecdote intéressante, là, au repas de famille. Allez, allez faire vos intéressants maintenant. A bientôt, c'est ciao!